Cyril Picard est un dynamique vigneron de 39 ans dont la famille exploite la vigne depuis 8 générations. Ici, pour les cuvées spéciales, on utilise un procédé innovant sans pressurage mécanique. On laisse vinifier les fruits en cuve pendant 36 jours. Cela permet d'extraire beaucoup plus de couleurs et de structures, ce qui présente l'intérêt d'épicer les vins pour une meilleure garde. Puis après, il y a un temps où on joue, c'est-à-dire quand on joue, c'est encore 4-5 jours de maturité pour avoir ce qu'on appelle la maturité phénolique maximale, donc c'est la maturité des pépins, de la pellicule, donc de la couleur, tout ça. Et là, cette année, il ne va pas trop falloir attendre. Il va falloir, et surtout si on a 30 mm d'eau qu'il ne faudrait pas, là, il va falloir accélérer. Oui. C'est ce qui fait la beauté du métier, hein. C'est que les mésimes se suivent, mais ça ne ressemble pas. En 2015, bon, les cuves de la garde, elles sont là, ça va être mis en bouteille, ça va faire 16 degrés d'alcool. Donc là, on va bousculer toute la filière viticole, hein. Les Châteauneuf-du-Pape, tout ça, on va tout y balayer parce qu'on est sur une concentration hors norme, on n'a jamais vu ça, et des vins équilibrés. La complexité du vin, on dit qu'un vin, il est à son équilibre à 13 degrés d'alcool, c'est pour ça que tous les vins sont à 12,5, 13 degrés d'alcool. C'est la ratio entre l'acidité, tanin, pH, alcool, et c'est à 12,5, 13 qu'on a les plus beaux équilibres. Plus on a d'alcool, plus ça embellit la bouche, plus il y a du gras, plus il y a une impression de sucrosité qui fait les vins de garde, quoi. Et un millésime comme ça, c'est bien de le rencontrer dans une carrière, mais il ne faudrait pas que tous les 5 ans on ait un millésime comme ça, parce que les gens, ils hésitent à boire des vins à 15 degrés, quoi. Ah, moi pas. Oui. Ah, mais moi aussi j'aime bien, mais on en boit moins. Ah oui. Ah oui. C'est moi qui vends mon vin, c'est moi qui vends du vin. Je préfère avoir deux bouteilles à 12,5 qu'une bouteille à 15, quoi, vous voyez. La beauté de l'appellation Beaujolaise, c'est quand on fait un 14,5 d'alcool, c'est équilibré. Oui. C'est pas ou un 15 ou un 15,5, ça reste équilibré. C'est-à-dire que le Beaujolais a toujours été critiqué, donc le Gamay, le cépage, a été critiqué pour son côté acidulé. Donc l'acidité trop forte qui fait sur des vins à 12 degrés trop vert. Donc on a l'impression que ça ne plaît pas parce qu'il manque quelque chose, il manque d'amplitude et tout ça. Et 14,5 d'alcool, on a vraiment un bel équilibre en Beaujolais parce qu'on est toujours à 4 points d'acidité naturelle. Donc l'acidité fait saliver, lève des fruits et éteint le feu. On ne sent pas que ça fait 15 degrés d'alcool. Exact. Et le vin reste du plaisir. Tout dépend ce qu'on appelle le plaisir, mais on s'aperçoit que dans le sud, ils font ce qu'on appelle la vendange en verre, qui coupe des raisins. Pour, admettons, si on a 10 raisins par pied, ils coupent des raisins pour que pour qu'il reste 5 raisins, pour qu'ils essayent de doubler, ça c'est une idée pour imaginer, pour doubler le volume des raisins, pour doubler la grosseur de l'agrume, pour doubler le jus par rapport à la matière. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de concentration dans le sud qu'ils coupent des raisins pour avoir des raisins plus gros pour diluer. Donc pour diluer la couleur, parce qu'ils ont trop de couleur, ou suffisamment de couleur, et ce qui leur manque, c'est du fruit. C'est ce qu'on a, nous, en Gamay. Et le fruit, on l'a avec la dilution. Donc eux, ils sont obligés de diluer en coupant des raisins pour en avoir le minimum. Dès qu'il y a une pluviométrie, au lieu que l'eau, elle rentre dans 10 raisins, elle rentre que dans 5 raisins. Donc les fruits deviennent plus grosses. Et là, ils diluent. Ils cherchent à diluer parce que trop riche en alcool, trop. Alors que nous, on a tendance à dire, le Gamay et le Pinot, tout le bassin de la Bourgogne, qui sont certainement les plus grands vins de France, voire du monde, qui ne sont pas basés sur la couleur. Vous avez raison. La beauté d'un Bourgogne, c'est la longueur en bouche. C'est d'avoir pas un vin forcément très très coloré, mais par contre qui emmène, par l'acidité, qui emmène vraiment sur la longueur en bouche. Nous, c'est une exploitation très artisanale, oui, il n'y a pas d'autres technologies en termes de vinification. Moi, j'ai visité des chais. Chez des gens, c'est phénoménal. Hein. C'est des vérins hydrauliques qui poussent les vendanges, qui les pressurent. Enfin, on est dans une autre mesure, quoi. Nous, ça se fait artisanalement comme le grand-père avait pu le faire à l'époque. Là, on a un patrimoine viticole extra. Il y avait papa, les arrière-arrière-grands-parents, ils ont planté de la vigne, on les a encore. Ça, ça a 100 ans. Donc, ça, ils me racontent comme ils veulent. Mais c'est ça qui fait les qualités. Hein. C'est pas... Il est encore vivant, ça. Non, hein. Ah, ben là, il est mort, il est arraché, mais vous voyez les racines que ça. La terre arrive ici, quoi. Vous voyez? Ça, c'est les racines, enfin une partie des racines. Et ça s'entend, quoi. Donc, c'est l'arrière-arrière-grand-père, l'arrière-grand-père, le grand-père, mon père, moi, 5 générations sur le même pied de vigne. Et ça, vous allez faire quoi? On y croit pas, mais ça fout les jetons, en fait. Et après, on a quand même une propriété où on est assez sûr de nous, parce que pourquoi? C'est quand même sur 30 hectares, il y en a quand même 15 hectares qui sont des vieilles vignes, donc on est vignes entre 80 et 100 ans d'âge, quoi.
Donc ça, ça trompe pas bien, c'est toujours très beau, quoi. Toujours très beau. Les récoltes sont pas forcément excessives, mais par contre, on se balade dans la vigne, c'est magique, quoi. C'est très très beau. Oui, je me souviens, c'est ton nom. Donc voilà, une cavité qui est du 17e. Tous les tonneaux sont bien sûr en chêne, 100%. Les gros tonneaux, c'est ce qu'on appelle des foudres. Les petits tonneaux, c'est ce qu'on appelle la barrique, élevée en fût de chêne. Ça, c'est des petits tonneaux, les fûts de chêne, ils ont entre 2 ans et 4 ans d'âge. Donc ils ont eu 3-4 vins dedans déjà. Et puis les tonneaux, bah, eux, les gros, les foudres, ils ont entre 2 et 300 ans. Quoi. C'est des tonneaux qui sont là depuis longtemps. Quoi. Ça, ça avait eu un coup de cœur sur la revue des vins de France. Donc très floral au nez, gras en bouche, typiquement chardonnay, donc c'est 100% chardonnay, c'est le cépage. Et après, une petite pointe d'acidité fin de bouche. Ça, c'est volontaire, c'est pour mettre la fraîcheur. Vous avez des tanins un peu plus fermes, hein, même si ça a 10 ans, fin de bouche. Hein. Ça sèche légèrement un petit peu sur le palais, un petit peu sur les côtés. Dites-vous que ça, c'est pas un vin comme le premier où on casse la croûte, où c'est un apéritif, où c'est on reçoit un copain. Non, on est en train de manger, véritablement. Hein. Donc, ce qui sèche légèrement, ça, vous le sentez plus, hein, parce que c'est pas grossier. Moi, si j'avais planté des mosques que mon père a planté avec son père en vigne, et donc pour 50 ans, on fait pas ça, on n'y arrive pas. C'est leur vigne, on arrive à faire ça. Le respect des anciens et de ce qu'ils ont vécu. Et le tio qui est arrivé là, il va falloir qu'il y pige. Parce que s'il n'a pas pigé ça, ça va pas aller. Pour terminer la dégustation, Cyril nous emmène découvrir ses nouveaux vins. L'exceptionnel millésime 2015. La dernière cuve qu'on a goûtée à Rouen-Simon, oui. Dites-vous que c'est tous les jus de presse, donc le jus qui coule du pressoir, de l'ensemble des cuvées qu'on a goûtées ici. Ouais. Donc ça, ce ne sont que des jus de goutte, ce n'est pas passé au pressoir. Et les dernières cuves en ciment qu'on a goûtées en haut, ça n'est que des jus de presse. C'est pour ça que c'est à 16,2 d'alcool. Ah, ouais. Et là, on a 14,5, entre 14,5 et 15,5 d'alcool. Ouais, ça, c'est du moulin. Moulin. On n'aime pas ça. On a toujours un avis. Non, mais. Pourquoi pas, Cercy. Quand vous êtes au château de Cercy, c'est bien dommage qu'on n'en prend plus d'autres. Déjà, on est. On retrouve vraiment le moulin avant 2014. Ça, c'est l'embrême de Namur. Ah, d'accord. Et souvent, on dit. C'est pas un escargot de Bourgogne. Ils sont lents. Mais quand ils sont dedans, c'est pour longtemps. Et alors ils sont. Elle me l'avait tout dit promis. Une belle petite gaillole, une belle petite gaillole. Elle me l'avait tout dit promis. Une belle petite gaillole pour mettre un scanari. Troulala, 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 l'air. Troulala, troulala, troulala. Comme Canaïque sera chanté, il y a une fille récoltera dressée sur la boue. Qui quoi? C'est dingue, hein?